Salut à tous, voilà, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous reconnaissez, je suis plus en Suisse, je suis pas au Canada non plus. Donc je bois souvent du café au déjeuner et j'avais envie de plus en savoir sur la production du café. Aujourd'hui je suis en Colombie. La Colombie, ben, c'est connu pour faire le meilleur café, un des meilleurs cafés au monde. Je ne parle pas très bien l'espagnol, donc c'est un petit peu une barrière pour moi, mais je vais essayer de trouver une ferme où ils produisent du café. Je vais essayer d'aller filmer là-bas. Et mon but, c'est qu'on puisse comprendre mieux comment le café est produit, comment ça se passe pour les agriculteurs, où c'est fait, etc. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai plus de nouvelles. On est dans la région de Yardin. C'est 3 heures à l'ouest de Medellín, si vous connaissez un petit peu la Colombie. C'est vraiment incroyable, c'est magnifique. Donc voilà, je vous tiens au courant quand j'ai plus d'infos là-dessus. Voilà, finalement j'ai trouvé une ferme. Donc là je m'y rends, j'ai parqué la voiture juste un petit peu en dessous. Je vais aller dire bonjour au patron. Et puis, puis voilà, c'est vraiment magnifique ici. Et là on peut déjà voir qu'il y a du café qui est là. Donc voilà, ça va être intéressant, je me réjouis d'aller voir ça. J'ai rencontré Julian, un des trois frères à qui appartient la ferme. La ferme se situe à Jardín, Antioquia, et comprend 7 hectares de café. Et nous allons voir ici tout le processus du café, de la récolte à la tasse de café. Voilà, là on est où ils sont en train de récolter le café. Donc on va aller voir ça avec le frère Julian. Voilà, ici je suis avec Andrea. Andrea, oui. Andrés. 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 Señor. Si. Andrés. On est arrivé au champ où ils récoltent le café. Andrés, il a suggéré que je ramasse moi-même du café. Donc c'était vraiment une bonne idée. Il m'explique que je dois ramasser que les fèves rouges. Chaque employé ramasse en moyenne 100 kg de café par jour. Je pense qu'ils ont fait quelques vannes dues à ma lenteur. Moi je suis toujours au plat là, mais eux ce qu'ils récoltent c'est dans les talus comme ça. Je sais même pas si on voit, mais... Je me suis rendu dans le talus, mais avec la caméra on ne peut pas voir la pente. C'est vraiment très pentu. Tiene mucho verde. No, no, no. Al mejor, ve, al mejor. El carro por el café. Oh. Por el café.
Al hombro. A eso. Al carro. ¿Aquí? Sí. Sí. Al hombro. Claro. Cógelo, ¿cuál es? Allá. ¿Cuál es para la cosa? A eso. Claro. Está bien. Normal. ¿Aquí? Chaque personne a leur propre sac qu'ils remplissent. Puis à la fin de la journée, ils les pèsent et les chargent sur le camion. Voilà, donc là c'est la fin de la journée, ils sont en train de remplir le camion avec le café et puis ensuite on va retourner à la ferme principale où là ils vont s'occuper du café, donc on va voir ça après. Les Colombiens aiment rire et être heureux. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer cet après-midi avec ces gens. Voilà, maintenant on se dirige vers la ferme, là où on va s'occuper du café. On est en train de suivre le camion avec le café. Cuadre el carro y se va. Y vamos. En particular. Voilà, donc depuis le creux là-bas, tout le café est pompé avec de l'eau et puis ensuite il se retrouve ici. Et depuis là, ça va jusqu'à là. Ici, on a une machine qui va casser le tour du café et qui va nous laisser plus que le café même. Ensuite, ici, on a un trieur avec de l'eau qui va trier pour la qualité. Donc, il y a deux qualités qui en sortiront. Les verts, c'est la qualité secondaire. Et le grain normal, c'est la qualité.
qualité supérieure, donc la meilleure, le normal. Ensuite, ils nettoient le café. Qui est nettoyé, et puis là on a le café qui est de moins bonne qualité, donc on voit les verts. Le café vert, c'est du grain de moins bonne qualité. Une fois que le café est trié et qu'il est nettoyé, il arrive ici. Il va aller dans la vis sans fin qui est là-dessous. Et là, on a donc les pulpes qui ressortent à la fin. Ce sera utilisé comme compost pour de l'engrais pour les plantes café. Voilà, donc je suis avec Andrés là, et puis il va vite nous montrer comment le café ça fonctionne, comment est-ce qu'il plante le café. Donc il plante le grain de café, ensuite il les plante là dedans, et 8 mois plus tard il y a ça. Mille. 1000. 1000. 1000. Wow. Por persona. Wow. Donc quand ils plantent les arbres, ils vont planter jusqu'à 1000 arbres par personne et par jour. Une fois qu'il a planté l'arbre, et ça lui prend 2 ans avant qu'il commence de produire du café. Et une fois que les 2 ans sont passés, il va produire du café en continu pendant 5 ans. Là, on voit par exemple une fleur, et puis ils n'arrêtent jamais vraiment de produire. Donc ça produit, ça mature un peu tout en même temps. Et puis il faut continuer de passer en continu ici en Colombie à cause qu'il n'y a pas d'hiver. Après 5 ans, ils vont couper l'arbre à, je crois, une trentaine de centimètres. Pendant 2 ans, il ne va rien reproduire. Et puis après 2 ans, il y aura de nouveau 5 ans où il va produire. Et au total, l'arbre, il va durer 15 ans. Mañana, dry. Secado. Secado mecánico, dry machine. Demain matin, il va commencer le séchage du café, mais il va nous montrer comment ça se passe. Nos subimos a la parte de arriba. Ok. Con agua. Con agua, ok. Y el agua filtra. Sí. Y sí. La recirculamos, recycle. Ok, ok. Uh-huh. Recircula. Y el café. Ok. Primer piso.
Andrés est allé démarrer le système pour nous. No vamos a cambiar al piso y abajo. Voilà, donc le tuyau là-bas, c'est où le café il arrive. Il arrive, il est mélangé à l'eau. Et puis ensuite, ici, l'eau elle est triée et elle sort. Et c'est un circuit fermé, donc l'eau elle va remonter avec du café ensuite. C'est pour que la pompe puisse faire monter le café. L'eau elle va passer en travers de la grille et le café lui il va descendre. Et puis ensuite, il y a deux séchoirs. Donc soit ça va tomber dans ce séchoir là, ou alors ils ouvrent la porte comme là et le café il va tomber dans ce séchoir ici où ça reste pour 30 heures pour que ça sèche. Donc voilà, ça c'est, et puis c'est aussi du café de qualité premium. Podemos ir a observar el piso de abajo. Si. Maintenant on va aller voir en bas. Ici on voit l'étage du dessus là où le café on le voyait avant, et on a ici un deuxième étage où le café peut aussi sécher, et il y a un séchoir ici. Ce séchoir il va souffler de l'air chaud qui va sécher tout le café, et puis l'air va passer en travers des grilles pour sécher le café. Ok, donc il m'explique que le café quand il arrive dans le séchoir, il a 100% d'humidité, et en sortant il a 10% d'humidité. Donc c'est à combien ils le vendent? Ils le vendent à 10% d'humidité. L'humidité est présente sur l'île. Si? Ok. Mm-hmm. Sur l'île. Ça c'est le café qu'ils vont vendre ensuite. Et ici, nous faisons une prueba pour vérifier la humidité. Mm-hmm. Ok. Ok, donc pour contrôler la qualité, il le frotte et puis ensuite la protection qui est autour doit s'enlever. Et quand les grains sont comme ça, ça c'est ce qu'ils vont vendre. Pour sortir de la Colombie, le café il doit être comme ça. Mais en sortant de la ferme, il sera comme ça. La torréfaction n'est faite que dans le pays qui le boira, pour garder au mieux sa qualité et son goût. Donc ici on a le café de qualité inférieure qu'on voyait qu'il le triait avant, et ce café là il sera vendu pour faire du café instantané. Y este listo para comercializarlo. Ok. Coffee of Colombia 70 kilograms. Uh-huh. Nice. Ok. Así se lleva a vender. C'est, yeah, ok. Et là, il a le tas de café. Puis ici, on voit, c'est le sac café de Colombie. C'est des sacs de 70 kilos. Voilà. Et puis, on voit les camions peuvent venir ici pour charger le café qui est prêt à être vendu. Voilà, donc ici, Julian il va nous montrer comment faire le café, donc la torréfaction. Donc ici, on a le café comme il sort de la ferme. Là, on a le café qui va rentrer, qui va sortir de la Colombie, il sera sous cette forme-là. Ici, on a le café qui est torréfié, et là, on a le café moulu. Et nous allons faire une démonstration de comment se fait le café. Al café no le agregamos nada para tostarlo, solo con calor constantemente. Entonces, mire, le ponemos el molino y lo llevamos directamente. Mira. Maintenant, Julian nous prépare du café fait à base du café de leur ferme. Il va torréfier le café pour environ 12 minutes. C'est le mieux pour pouvoir bien savourer les arômes du café. Donde tiene los mejores sabores es en la tostión media. Sí, huele, huele. Mmm. Smells good. Voilà, donc on a pu voir un petit peu comment Julian fait
fait son café. Donc si vous voulez venir faire un tour avec Roulian et voir en personne comment ça se passe, vous pouvez venir chez Roulian. Il fait des tours ici en Colombie. Los Correa. Los Correa. En Instagram. Vous pouvez voir son Instagram. Voilà, donc Roulian, il a un compte Instagram, si ça vous intéresse d'aller voir. Donc ils l'ont laissé torréfier pendant 12 minutes. Colombia es tercero en cantidad. Okay. Calidad primero. Cantidad sí. El tercero. Okay. Brasil, Vietnam, Colombia. Ok. C'est l'ordre de cantidad. Donc il nous explique que la Colombie c'est le troisième plus grand producteur de café au monde, mais le premier de la qualité. Vamos a preparar en la prensa francesa. Un café normal son 7 gramos por 100 mililitros de agua. De 7 a 9 gramos por 100 mililitros de agua. Es una medida como estándar. Y lo ideal del agua es 85-90 grados antes de hervir, no agregarle el agua hirviendo. 85-90 grados. Cuando empiezas de las primeras burbujas es el punto de agregarle el agua. Es que esa. Que yo conozca, que estoy quedando de viejo, la más sencilla para hacer un café para la casa. Ajá. Y ya le ponemos y lo ponemos encima. Ensuite, nous laissons infuser environ 4 minutes. Y esperamos de 3 a 4 minutos. Este es el café que producimos nosotros acá en la finca, okay. De los Correas. Donc ici, ils vendent du café. Café bueno. And 100%. The man on the picture. L'homme sur la photo, c'est le papa de Roulian. Vamos a prensarlo. Lo bajamos suave. Lo que nos queda se llama borra, que sirve como exfoliante o fertilizante para las plantas. ¿Será que se van a mojar los? Yo lo había sacado un poquito. Volvió a llover. Volvió. Y ya nos queda el café listo. Mírelo acá. ¿Es él su hermano? Con el primo. Una finca familiar. Hermanos, primos.
bravo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était intéressant de voir tout ça avec Roulian, Andrés. Moi j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que vous aussi. Et puis c'est vraiment des gens super sympas. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec eux. Merci à mon ami Ronald pour m'avoir aidé à filmer la vidéo. Dans l'épisode prochain, je vais essayer d'aller voir la production de cacao, mais j'ai perdu des heures et des heures de route. Et puis, dans mon voyage, ça m'a fait perdre plusieurs jours pour aller voir un musée sur le chocolat. Et puis, j'ai pensé qu'il y aurait beaucoup de cacao dans la région, de la production de cacao, mais j'avais tort. Alors voilà, on se retrouve le mois prochain pour voir cette nouvelle aventure. Et puis, jusqu'à là, je vous souhaite le meilleur. Generando, ¿no?